Alors, bah, du coup, tout a commencé il y a 6 ans. Donc, en fait, je venais d'avoir mon bac. Je venais d'arriver donc à Lille pour étudier. J'avais eu mon bac mention très bien. Et en fait, je venais commencer ma vie d'adulte sur Lille. Donc, j'étais super, super contente. Et j'ai rejoint une école de commerce. Et depuis peu, en fait, je portais le voile. Et donc, du coup, en fait, l'école de commerce m'avait dit que je ne pouvais pas le porter. En décembre dernier à la banque, bah c'est simple, j'ai une copine qui se mariait et en fait je devais lui passer un peu d'argent pour son mariage tout simplement. Je suis partie à un guichet pour dire bah, j'aimerais retirer la somme. Et en fait donc je tombe sur un monsieur qui m'explique que bah, non, en fait il veut pas me laisser récupérer mon argent, donc qui est sur mon compte, qui n'est pas un prêt de la banque, qui n'est pas, c'est vraiment à moi quoi. Et donc en fait à ce moment-là il m'explique qu'il peut pas. Parce que, il n'a pas envie d'être complice de blanchiment d'argent ou de financement de terrorisme. Alors, enlever le voile, non, parce que malgré tout ce qui a pu m'arriver, bah, au final, ça m'a confortée dans l'idée que j'étais dans le vrai, dans l'idée où j'avais ce droit-là et que je voulais exercer ce droit-là. Donc ça, je ne me suis jamais dit, ah, faudrait que je le retire. Par contre, c'est vrai que je me suis déjà dit, tiens, à quoi ressemblerait ma vie si je ne l'avais pas? Est-ce que ce serait plus simple pour trouver un stage, pour trouver un boulot, etc.